après le sol, le la. C'est parti. Le concept de l'accord de la est de fretter à partir de la troisième corde sur la deuxième frette les trois suivantes, c'est-à-dire ici, ici et ici. Pour ce faire, tu as plusieurs manières. La première qu'on pourrait utiliser serait un bon gros doigt de bûcheron qui appuie sur les trois cordes en même temps et puis qui relâche juste sur la dernière, puis ça te donnerait quelque chose comme ça. Donc c'est possible, c'est utilisé suivant ce que tu as envie de jouer, mais on va apprendre deux manières de le faire. La première, c'est de faire une belle diagonale en partant de la troisième corde, deuxième frette, quatrième corde, deuxième frette, et cinquième corde, deuxième frette, avec tes doigts comme ça en diagonale. Et on ne joue pas la première corde, mais on commence à partir de la deuxième, ce qui va nous donner ceci. Je passe assez vite sur celui-là parce qu'il y a une manière de le faire qui est un petit peu différente, qui est un peu plus sympa à mon goût, qui laisse d'autres alternatives. Donc ce serait de commencer avec le majeur sur la troisième corde, deuxième frette, et en dessous, en sautant une corde, tu vas mettre l'annulaire aussi à la deuxième frette, et avec ton index, tu vas venir derrière entre les deux. C'est un peu le même concept que le ré, mais avec les doigts inversés. Et tu vas remarquer qu'on va pouvoir passer du la au ré très très facilement avec cette solution. Donc si on commence avec la deuxième corde, ce qu'on doit faire avec le la, ça sonne exactement la même chose. Seulement, tu vas venir avec ces deux doigts comme ça, et puis celui-là entre deux, et le plus dans cette direction possible pour venir le plus chatouiller la frette. C'est une manière qui va nous permettre après de passer d'un accord à l'autre assez facilement. Donc si je la refais une fois, puis tu vas voir que je vais passer sur un accord de ré. On va pouvoir le faire relativement facilement. C'était l'accord de la, je te vois tout bientôt sur les prochaines leçons. Tchuss. Et tu trouveras tout plein d'autres infos sur mon site zamzamguitare.blogspot.ch et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.